C'est à vous la suite ce soir à la table de C'est à vous, Jean-Claude Van Damme et Mathieu Chédid. On parle de l'incroyable, de l'immense succès de la Momalie. Un disque de platine, plus de 100 000 albums écoulés. On en parle dans un instant. Et puis du retour à la télévision de Jean-Claude Van Damme, dans la peau de Jean-Claude Van Johnson. Yes. Dans une série qui va arriver, première saison d'une série qui arrive sur la télévision Amazon Prime. Et votre maman qui n'est pas contente quand vous ne parlez pas français en France. Voilà. Et qui je veux parler, elle a dit belge en français. Parce qu'elle sait que je ne parle pas bien français de toute façon. Donc. Et j'adore vous dire que je vais me faire tuer par ma mère. J'aime bien imaginer Jean-Claude Van Damme qui se fait gronder et tirer l'oreille par sa maman. Ma mère a 83 ans et elle s'occupe de mon social network. Facebook et tout. Ah oui? Incroyable. Elle est hyper connectée. Ouais, ouais, incroyable. On regarde tout de suite la bande-annonce de cette excellente série, Jean-Claude Van Johnson. Okay. Action! Daddy's home. There's the new man of the house. Cut, cut. I'm so, so sorry, man. Johnson, meet Louise. Is he qualified? Vanessa. What's going on? I'm in. We gotta move. Now! Jean-Claude Van Damme? Yeah. Oh, one at a time, or you run into each other. Could get confusing. Go! He's not ready. You need to pull him. He's gonna get someone killed. He's gonna get himself killed. What scene is this? What are we doing right now? Are we rolling? Roll! Louis, I need your help. With what? We can find a better car. Hey, I want to buy drugs. Race me for it! I know the trick. Long time ago, when one sense is gone, the others hide nothing. I don't think that applies to vision when driving. Réussi. Et j'en profite, on applaudit aussi Stéphanie Lequelec pour son plat. Qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup. Donc vous allez déguster un œuf fermier, le jaune tiède acidulé, quelques cerfeuilles tubéreux et un peu de truffe, champignon du moment. Bon simplicité, appétit. Qualité. Simplicité, c'est essentiel à ça. Efficacité. On vous a découvert en France, Jean-Claude, en 1988. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était sur France 3, notre troisième chaîne, en décembre, justement, et j'ai adoré la façon dont vous racontiez votre conquête de l'Amérique tout en soulevant de la fonte. Le sport que j'ai su réussir dans la vie américaine, c'est très très dur, c'est la jungle là-bas. Pour le cinéma, surtout, je suis débarqué aux USA avec pas d'amis, je connaissais pas la langue, je ne savais pas où loger. Et disons que l'entraînement est comme une religion. Chaque matin, je m'entraînais et je n'ai pas. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas d'amis aux USA. C'est une ville très très dure. Ce que j'ai eu, c'est le premier jour quand je suis arrivé, j'ai vu Los Angeles at night, la nuit, avec toutes ces lumières. J'étais effrayé, je dis, qu'est-ce que c'est? Puis j'ai commencé, c'était très dur, j'ai eu beaucoup d'aventures et j'ai réussi. Et maintenant, c'est Amazon qui vous demande la série. Oui, mais mon short, il n'est pas trop long, là. La mode a changé. Oh là là, la mode a changé, hein, excusez-moi. Hein. Quel regard vous portez sur ce jeune homme, hein, aujourd'hui? Il sait tout, mais il sait rien. Eh ouais, il sait tout, mais il sait rien. Voilà. Alors, vous avez trois enfants aujourd'hui, Jean-Claude Van Damme. Les aînés Christopher et Bianca qui marchent dans vos pas. Ils font des films d'action. Et surtout, surtout, on a vu ça sur les réseaux sociaux, ils font le grand écart à la moindre occasion. Votre fils Christopher, qu'on voit ici, qui a la même corpulence, la même musculature que son papa, mais votre fille Bianca aussi, Bianca Brie Van Damme. Voilà, ça se passe comme ça chez les Van Damme, dès qu'on a un moment, clac. Grand écart. Grand écart. Et est-ce que vous avez vu le prochain Paddington? J'en doute. Non, non, non. Eh bien, regardez cette image, okay. Parce que dans Paddington aussi, et voilà, est-ce que ça, c'est pas le plus beau des hommages? Le grand écart est devenu une marque déposée aujourd'hui. Ça vous, je vous voyais un petit peu frétiller, ça vous ennuie quand on vous parle de grand écart aujourd'hui? Non, non, c'est pas... On a créé un culte, enfin, et voilà quoi. On a... Mais oui, oui. Avec l'audience, on a créé un culte. Je voyage en grand écart. Mais il y a un clan Van Damme avec bien vos enfants. Pour une commerciale pour Airline Company. Oui. Comme ça, Air France. Parce qu'on dirait les ailes.
Excusez-moi. Mais je vous en prie, vous êtes soudé avec vos enfants. Il y a un clan Vandamme, un peu comme il y a un clan Chédid qu'on connaît ici. Ouais, j'ai des enfants qui sont vraiment super et qui n'ont pas eu la vie facile avec moi, vu que j'ai beaucoup voyagé. Et quand on réussit, on ne lâche pas la corde. Donc c'est ma femme Gladys, qui a vraiment tenu toute la famille ensemble. C'est grâce à elle que je suis en bonne santé ici sur cette table, et c'est grâce à elle que ma famille est réunie. Si j'aurais pas eu Gladys dans ma vie, c'est vraiment elle qui a su créer la star avec, évidemment, mes parents et voilà quoi. Mais voilà. Eh bien, Jean-Claude, ce soir, la famille Van. Elle a tout sacrifié pour moi en plus. La famille Van Varengame, qui est à Paris avec vous. Oui. Tous les enfants ne sont pas là, mais il y a Christopher, il y a votre maman et votre papa. Ils ont un message pour vous. Oh. Surprise, Dad. C'est Christopher ici à l'hôtel. Tu ne savais pas que c'était nous ici qui vont donner un petit vidéo message surprise. Je suis très fier de ce que tu as fait. Il y a 30 ans, je ne crois pas qu'un Européen aurait pu éventuellement forcer les portes des studios en Californie. Toi, tu as réussi à le faire. Je suis vraiment très fier de ce que tu as fait. Je suis très fier également de tout ce que tu as déjà fait et que tout ce que tu vas encore faire, bien sûr. J'ai un vœu. J'aimerais enfin que tu te reposes un peu, que tu profites toi-même de ta vie. Je sais que c'est difficile pour toi, mais t'as mis toute ta famille à l'abri. Je ne vois pas pourquoi tu continues encore à travailler. À cette allure-là. Mais on va seulement te dire qu'on t'aime, on est tellement fiers de toi. Et moi, personnellement, je veux te dire que merci. Merci à toi pour être une héros. Encore toutes mes félicitations, je t'aime beaucoup. Ton papa. Oh. Ils sont extra, hein. Bravo. Thank you so much. I want to drink. Yes. Tout, vous voulez boire à la santé de ma famille, à la santé de la famille de Johnny Hallyday, et à la santé de la France et de ton télé-show. Oh, merci beaucoup. Okay. Vous êtes très, très ému, Jean-Claude. Vous êtes un héros. Vous vous sentez dans la peau d'un héros qui a fait rêver des millions de jeunes adolescents, de jeunes Français, de jeunes du monde entier. Un héros pour votre fils, c'est ce qu'il dit. Ah, mon fils est super, mais mon fils est un garçon formidable. Il a aussi cet esprit de famille, de tenir la famille ensemble. Voilà. Et pourquoi vous continuez à travailler à cette allure alors? C'est la question que vous pose maman. Votre père. Vous allez ralentir? Mais si j'arrête, je crois que tu travailles encore. Hein. Ouais. Si on s'arrête, voilà. on serait... Voilà ce qu'on te répond, Jean-Claude. Toi aussi, tu t'arrêtes demain. Ah ben moi, oui, c'est pas possible. Voilà, toi aussi, tu t'arrêtes demain. Ah ben non, on s'arrête pas, personne s'arrête. Ben voilà. Jean-Claude, personne s'arrête, on continue. Il n'est pas question de s'arrêter. On s'est toujours demandé qui était, parmi ces hommes forts, ces légendes du site de ces héros super musclés au cinéma, qui était le plus fort parmi ces hommes qu'on va vous montrer. Voilà, Stallone, Schwarzenegger, Chuck Norris, Bruce Willis. Il court le plus vite, en bas à droite. Avec les lunettes. Il court le plus vite, c'est le plus fort, il s'en va toujours au bon moment. Il s'appellerait pas J.C.V.D. Après, il revient quand ils sont pardon ? C'est Jean-Claude Van Damme, quoi. Oui, mais non, mais on est tous bien, on est tous... Il y a Jason Statham, c'était un pro dans les sauts... Arnold, c'est un pro dans le bodybuilding. Stallone est un mec incroyable. Sly Stallone, Chuck Norris, j'étais en Amérique, j'étais hébergé par lui. Et Bruce Willis, c'est un mec super aussi. Ils sont tous sympas. Que des mecs sympas. Ouais, non, vraiment, j'ai fait du ski avec lui, avec Bruce, c'est un fou. Oui. Il va tout droit, il s'arrête pas. Et ils sont tous bien. Stallone, il est très, tu sais, toujours... bien sapé, dos bien droit, il fait toujours attention. Et quand j'étais avec lui dans les Expendable Promotions, j'ai dit, you see, you know, always straight back, neck strong. Vous le faites bien, ouais, c'est exactement ça. Bien, bonne imitation. Il m'a dit, arrête de faire ça en public, il m'a dit. Ah oui? C'est quoi? C'est, you stop making fun of me again. No, because I love you, man. Okay. Vous voudrez bien le saluer de notre part? Pardon? Vous voudrez bien le saluer de notre part? Qui ça? Mais Stallone. Ah, bien sûr, je salue Stallone, Arnold, Jason, Chuck. Dites-leur de venir dîner avec nous, c'est sympa. Pardon? Dites-leur de venir dîner avec nous, c'est sympa. Hey, guys, you should come here to eat with us, Mr. Stallone, Mr. Schwarzenegger, Jason. They came here before?
They came here. Is it this avant? Non, 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 bien Nobody sûr. Nobody was here. So come here, Chuck, Bruce, and I'm here. I'm the first one. Voilà. Et à vos côtés, Mathieu Chédid, qu'on est ravis à chaque fois de recevoir à la table de C'est à vous. Immense succès, je disais, pour La Momalie. Disque de platine, plus de 100 000 albums écoulés. C'est un pari gagné. Alors qu'au début, il a fallu convaincre. Surtout expliquer, quoi. C'est des projets un peu expérimentaux. C'est des mélanges, comme ça, des mix qui sont inédits. C'est ça qui est beau, d'ailleurs. Mais donc voilà, il faut expliquer un peu le concept. Et puis c'est une chance inouïe de pouvoir retrouver effectivement un public qui vient et qui, pour une partie, qui va découvrir, pour une autre qui est déjà assez convaincue, etc. Et puis c'est une communion extraordinaire. C'est vrai que là, on est sur les routes en ce moment. C'est vraiment magique. Et c'est émouvant aussi de voir cette kora, ces instruments traditionnels maliens, résonner dans des salles qui ont plutôt tendance à écouter de la musique plus commerciale ou plus... Peu importe, c'est pas pour faire de jugement, de valeur, mais en tout cas, là, il y a quelque chose de très noble comme ça et de très ancestral qui résonne dans ces murs. Et ça, c'est quand même magnifique. L'album est ambitieux, mais vous venez de le dire, la tournée l'est encore plus. On regarde ce que ça donne. Et l'aventure La Momalie sur scène, ça a commencé par 4 concerts en juin à Playel. C'était joyeux, endiablé, coloré, dingue comme tous vos concerts, Mathieu. Mais encore plus à Playel, qui est une salle quand même assez prestigieuse, classique, parfois guindée, suivant les concerts. 2h30 de concert, je ne suis pas resté longtemps assis, hein, parce que vous avez emballé Playel en mettant toute la salle debout pendant ces 2h30. Je me souviens des guests qu'il y avait ce soir-là, Oxmo Puccino, Philippe Jaroussky, évidemment la beauté des harmonies vocales du Kora avec Diabaté, père et fils, la beauté de Fatoumata qu'on va retrouver, Fatoumata Diawara, et puis... J'ai beaucoup de chance, ouais. Mais c'est vrai, et puis des styles très différents, et vous m'avez dit vendredi sur Europe que en fait, à partir de cette matrice de Playel, la tournée avait beaucoup évolué, que c'était assez différent aujourd'hui. C'est vrai, ben c'est à l'image de la musique africaine, c'est-à-dire que c'est pas figé, quoi. On est quand même dans un monde qui a tendance à figer les choses, à les conditionner un peu trop. Là, l'idée, c'est que c'est très vivant et que ça change chaque soir déjà, c'est-à-dire que chaque soir, il y a beaucoup d'improvisation, il y a des choses qui bougent beaucoup. Et puis surtout, il y a l'apprentissage, quoi, de jouer ensemble. C'est quand même des cultures différentes. Il faut apprendre à être subtil aussi, à bien s'écouter. Mmh. Et quand on s'écoute bien, ça fait une grande différence. Et là, effectivement, oui, ça grandit. Et c'est de plus en plus... Il y a un feu qui s'intensifie vraiment. Vous dites que c'est parmi les plus beaux concerts que vous ayez donnés. C'est vrai, parce qu'il n'y a pas plus beau que le métissage, quoi. C'est-à-dire que quand on est dans son petit monde, on fait son univers et c'est déjà magnifique. Mais quand on le partage avec d'autres univers et d'autres talents, ben, ça multiplie. C'est un peu comme l'amour, quoi. Plus on en donne, plus il grandit. Je me souviens qu'à Playel, il y avait tout d'un coup surgissé une reprise de Balavoine qui était tout à fait inattendue. Je ne sais pas si vous l'avez gardée ensuite. Je la garde, et puis c'est vrai que, évidemment, qu'on fait une chanson pour Johnny tous les soirs, qu'on va garder jusqu'à Bercy, et qui est un vrai moment de communion. Et c'est magnifique de voir d'ailleurs et je crois que grâce à. Grâce, c'est pas le mot d'ailleurs, mais en tout cas, ce que j'ai vécu avec cette disparition vraiment bouleversante, c'est que je me suis rendu compte à quel point le public était essentiel et à quel point c'était vraiment un rapport d'amour, quoi, très très fort. Et c'est vrai que quand je chante effectivement et que j'évoque et que je chante quelque chose de Tennessee de façon très personnelle, mais je vois bien que les gens ont un amour inconditionnel, que c'est un moment de communion essentiel, quoi. Donc on peut venir vous voir plein de fois, ce sera jamais pareil. C'est vrai. Comme en amour. Ouais, vous disiez. Non, mais l'idée, c'est que c'est vrai qu'il y a d'ailleurs des gens qui nous suivent, hein, qui ont peut-être fait, enfin, je ne veux pas compter le nombre de concerts qu'ils ont pu faire, et c'est vrai que c'est ce qui revient tout le temps. C'est-à-dire qu'on se renouvelle à chaque fois, parce que c'est ça qui est beau, c'est un spectacle vivant, quoi. Et puis il y a la kora, cet instrument malien qui résonne dans les grandes salles de France, et ça, c'est extraordinaire, parce que vous dites que c'est un peu comme si c'était un musicien médiéval qui était avec vous, avec un luth, quoi. Il faut imaginer que la kora, c'est un instrument ancestral qui date de l'Empire mandingue, hein, si je ne me trompe pas, et qui est transmis de père en fils depuis 71 générations. Donc là, vous avez Toumani Diabaté, qui est la 71e génération, et il y a Sidiki Diabaté, qui est le plus jeune, le fils, qui est la 72e génération. Ça, c'est quand même fascinant.
Et puis c'est un instrument, on pourrait en parler longuement, et c'est vrai que ça a des vertus, vous allez l'entendre encore maintenant, c'est-à-dire que c'est un bonbon, quoi. C'est un bonbon de l'âme, quoi. Et on a besoin de choses comme ça. Dans cet album, il y a un morceau qui vous tient particulièrement à cœur, qui s'appelle Solidarité, Solidarité planétaire, ouais. Dont on vous connaît. Ouais. Vous chantez avec des grandes voix qui viennent de New York, de Rio, de Bamako, de Paris ou de Sarcelles. Et le thème principal des paroles, ça vient de votre grand-mère et grande poétesse, ouais. André Chédid. Ouais, qui est toujours très présente. Hein, ouais. Effectivement, il y a encore cette phrase que je redis à chaque fois, ça devient un peu redondant, mais c'est cette phrase que j'ai mise en exergue sur le disque. « Toi, qui que tu sois, je te suis bien plus proche qu'étranger. » Et c'est vrai qu'elle m'a transmis ça. C'est-à-dire que j'aime, comme toi, les gens, j'aime profondément l'autre. Et puis c'est vrai que je suis sensible et je me sens proche des gens, quoi. Je ne me sens pas du tout étranger à qui que ce soit. Et on le vit tous les soirs. Il faut savoir qu'on invite, je les appelle les amis réfugiés, mais quand même sur chaque concert qu'on fait, on invite des réfugiés qui viennent, déjà qu'on invite, déjà tout simplement. Certaines fois, ils se retrouvent sur scène avec nous, à danser avec nous. On leur tend la main, on leur donne de l'amour aussi, parce qu'ils en ont bien besoin avec toutes les épreuves qu'ils vivent et toute la difficulté de cette situation. Et il faut savoir aussi que Solidarité est un vrai mouvement solidaire, que voilà, on donne de l'argent un peu par rapport aux associations, etc. Donc c'est concret, ce clip-là est une vraie aventure, ça va devenir aussi sûrement un long métrage, c'est dur d'en parler en si peu de temps, mais avec Stéphane de Freitas qui a fait ce film À voix haute, qui est un film sublime sur l'éloquence. Magnifique. C'est donc Stéphane de Freitas qui a fait ce clip, il a fait une version longue qui est sublimissime, là c'est la version plus courte, je crois, et c'est toute une aventure associative et concrète, magnifique. Merci Mathieu Chédid, c'est l'heure du live. Allez.